mecs commencent, ils reculent vachement. Et après, ils sont constamment en train de faire ça, à se dire, je vais être le premier à rentrer à la soirée. D'accord. Qui est hyper classique à haut niveau. Parce qu'ils ne veulent pas perdre de temps en Kumikata, Tashiwaza, etc. Hormis la toute nouvelle génération qui est un petit peu plus. C'est même carrément super chaud, donc elles arrivent à tout faire. Donc avec ça, il y en a beaucoup qui font ça. Deux, hein. Là. D'accord. Et il joue beaucoup là-dessus. Ce qui fait que lui, il va essayer de se redresser à longueur de temps, il va essayer de poser ses mains. Et en fait, à ce moment-là, hop, ils prennent, ils vont aller travailler à partir. Bon. Moi, je ne suis pas fan de full guard, mais de facto, quand il y a un team et sur un aspect plus compète, ça peut avoir du sens. Par contre, il faudrait que je leur mène directement. Eux, ils aiment bien prendre des lassos à partir de là et aller travailler à partir d'ici. D'accord. Donc, 2-1, full guard. On est là, vous pouvez même, on peut même quand ça prend ton kumikata, on prend ta réponse de tout à l'heure, tu vois. Je vais rentrer là, je pose là, pose. Je mets vraiment une pression là, ce qui fait que le gars, dès qu'il se relève, je pose, je reviens. Et là, potentiellement, je peux aussi le ramener. Ok. Donc, on va. Ce coup-ci, on va pas du côté du bras, étant donné qu'on a les deux côtés. Donc, on va du côté où on est plus fort à poser nos mains. D'accord. Et notre jambe, je peux aller ici, je peux aller là. Je dois avoir cette pression. Je tourne, d'accord. Je tourne sur la fesse. Après, je peux commencer à le travailler. Je peux faire un tripod pour le bien, d'accord. Sans taper. Là, il arrive, il a un gros kumikata. Là, boum, pause, je passe, je reviens, je reviens. Je vais commencer à faire tout mon jeu. Il y a Marie Gali qui a gagné 4 et toutes 4. Lui, il a appris ce qu'on fait beaucoup quand j'ai judoka. Il commence ici. Ça part. Ça. Ouais, il part en ceinture. Là, il part. Et après, il commence à l'écraser. Ce qui est intéressant, c'est que là, le poids n'est pas bien. Là, c'est le bassin, tu le prends quand même. Donc là, je peux aller travailler ma de la rive, je peux revenir sur des tentatives de tripod, je peux aller faire pas mal de choses. Donc, pour l'avoir dans notre arsenal, le pull guard, faut pas que ça devienne votre travail de prédilection, parce que sinon, automatiquement, vous n'allez plus faire d'attaque debout. On va quand même le bosser, et dès qu'on est en gui, c'est plus malin que de le faire en lusa, d'accord. Donc, vous allez commencer, prise de kumikata, il prend son kumikata, il peut être fort, solide, je prends un 2-1, je fixe, dès qu'il se redresse, je pose ma jambe, je reviens. Vous avez vu, je pars sur le côté, je suis pas en train de m'asseoir droit, ok. Donc quand j'arrive ici, je suis là en fait. Hop. Boum. Et je commence à passer. Ou je suis ici, je pose ma main, fixe, d'accord, fixe. Là, moi, je vais aller du côté inverse de ma main, je ramène. Là, vous avez vu comment il est sur moi. Ça peut me permettre d'aller travailler. Ok. Ok. Là, guillemets.